Hey, salut à tous et à toutes, je suis Seros. Et bienvenue à tous dans... Appuyez-vous sur le bouton. Oui, c'est la version en fait française du jeu... Will you press the button? Qui vous propose en fait des dilemmes moraux. Ou des choix plutôt. Et surtout, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous auriez choisi comme réponse. Appuyez-vous sur le bouton? Tu peux devenir tout ce que tu veux. Personne, objet, animaux, mais personne ne te croira. Eh ben j'en ai rien à foutre. Oui, bien sûr, j'appuierai sur le bouton. Je sais déjà en quoi je vais me transformer. Et 84% de la population mondiale a appuyé sur ce putain de bouton. Ok. Tu deviens un célèbre youtubeur, mais tu dois supporter les commentaires de tous les haters. Écoute, je ne suis pas sûr d'être un célèbre youtubeur, puisque je n'ai que 100 000 abonnés, mais je supporte déjà en fait tous les haters. Donc du coup, oui, pourquoi pas? Je peux le faire, je le fais déjà. J'appuie sur le bouton. 81% de la population aussi a décidé que c'était bien, donc je pense que, voilà, c'était une bonne chose. C'est toi qui créeras la 8e saison de ta série préférée, mais il n'y aura jamais de saison 9. Les meilleures choses ont toujours une fin, ce qui signifie que je pourrais terminer ma série préférée avec la fin qui me siéra le mieux. Tu viens à raconter en fait ce que tu veux, tu peux voir les développements des personnages que tu souhaites. Oui, oui, clairement, oui, je veux. En fait, même s'il n'y a pas de saison 9, c'est-à-dire que moi, je ferai le final de la saison 8. Donc ça veut dire que la saison 8 se terminera... Waouh ! Dans un putain de cliffhanger génial, ou dans lequel je vais faire un putain de cliffhanger génial... Si je dois finir la saison, il y aura un méga cliffhanger qui va ramener à un crossover avec une autre série qui va permettre que tous mes personnages préférés puissent continuer à vivre dans cet épisode-là, de cette autre série. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais merde alors. 46% seulement ont appuyé sur le bouton. C'est-à-dire que les gens préfèrent avoir une saison 9 plutôt que de réaliser eux-mêmes leur saison 8 et finir sur un final grandiose. Mais mec, sérieusement, tu peux finir sur un final grandiose. Je ne te comprendrai donc jamais. Tu trouves 500 euros par terre, mais un chat a pissé dessus. What the hell, dude? C'est pas grave. Je le ramasse, je le plie, je mets dans ma poche, j'achète quelque chose avec. Qu'il a pissé dessus. Tu fais attention, par contre. Parce qu'il peut se déchirer. Ça, c'est dangereux, par contre. Un billet mouillé, c'est un billet à moitié perdu. Alors, fais gaffe. Il y a encore des gens qui ont hésité, hein. Le racisme n'existe plus. Mais, on possède tous désormais une peau multicolore. What the hell? Mais non! Mais non, ça serait... Non. Non, parce que, tu vois, le fait de posséder tous une peau multicolore, ça signifierait qu'on se ressemble tous, en fait. Et donc, du coup, ce serait une société aryenne. C'est un peu le rêve que souhaitait Hitler. Donc, du coup, en soignant le racisme, tu crées ce que... On s'est toujours battu contre, en fait. On se bat pour nos différences, on se bat pour ça... On se bat justement parce que on est tous différents. Et c'est ça qui fait la richesse de notre pays, de notre monde, de notre univers. Et imagine que ta copine ressemble exactement à la mienne. Et bien dans ce cas-là, tu serais probablement déçu parce que j'en ai pas. Mais... ce que je veux dire par là, c'est que... Non, on peut pas vivre dans un monde où tout le monde se ressemble. C'est pas possible. Moi, j'arrive pas à le concevoir tel quel. Peut-être parce que je suis métisse. Si je dis noir, il y a des gens qui s'énervent dans les commentaires, j'ai déjà remarqué. Je suis métisse, en fait. Un mélange de couleurs. Oh, oh. Nous sommes métisses. Voilà, bref, je n'appuie pas sur ce bouton-là. Que le racisme n'existe plus, c'est une bonne chose, mais par contre qu'on se ressemble tous et qu'on ait tous la même couleur de peau, c'est-à-dire multicolore, non, ce n'est pas possible. Et surtout, j'ai pas envie de finir fluo, quoi, merde, t'as vu? La tête du mec fluo, là-bas. Il a la même que toi. Non! Ils ont appuyé sur le bouton! Ils préfèrent avoir une peau multicolore! La personne dont tu as toujours été amoureux tombe aussi amoureux de toi. Mais ton pire ennemi deviendra un de tes témoins à ton mariage. Ça me gêne pas plus que ça. Bah, je peux détester le témoin, et alors? Parce que de l'autre côté, en fait, t'as eu la personne que tu voulais. Donc du coup, non, c'est... Oui, oui, très bien, moi j'appuie sur le bouton sans problème, ça me gêne pas plus que ça. Franchement, c'est... Je vois même pas le dilemme là où il est, en fait, parce que j'ai tendance à mettre l'amour au-dessus de la haine. Je préfère aimer plus une personne que la détester. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que si je peux trouver, en fait, l'amour de ma vie, alors forcément, la haine de ma vie... Je m'en bats les couilles. Je l'ignore totalement. Il peut être invité au mariage. Moi, j'appuie sur le bouton, mec. Et 79% des gens ont pensé que c'était une bonne idée aussi. Ouais, pourquoi pas? Je vois même pas le problème, en fait. Personne ne dira du mal de toi, mais tu ne pourras pas dire du mal de quelqu'un. Je pense que ça se réfléchit même pas, en fait. Je parle rarement en mal de quelqu'un, à part peut-être d'une personne, mais elle a cherché, cette personne-là. Elle a vraiment cherché. Et... Juste cette personne-là,
Mais sinon, non, voilà. Je ne dis jamais du mal de personne. Ça me pose aucun problème. Moi, je peux appuyer sur ce bouton, c'est cool. Et 64%, beaucoup de gens aiment bien dire du mal des gens, apparemment. Et en même temps, on appelle ça l'a dit la fait ici à La Réunion. C'est devenu un truc culturel. C'est-à-dire que, passé certaines heures, tout le monde se met en groupe et commence à médire sur les autres, à faire des trucs dans le dos de tout le monde, à faire du l'a dit la fait. C'est horrible. Des commérages, si vous voulez une traduction du truc. Enfin bref. Tu seras la personne la plus chanceuse, belle, intelligente et la plus riche du monde. Dès que tu diras LOL, tous tes pouvoirs s'inverseront. Ben ça va. Tant mieux. Mais je vais juste m'entraîner à ne pas dire le mot LOL. Oh fuck. Oh no. Mais ça veut dire que tu viendrais... En fait, à chaque fois que tu dis LOL, tu deviendrais malchanceux, moche et con et pauvre. C'est intéressant parce que en étant con, en fait, t'es capable de dire LOL plus souvent. Par contre, en étant intelligent, tu le diras jamais. Donc du coup, ce n'est pas vraiment une vraie condition. Enfin, je peux appuyer sur le bouton. C'est un pouvoir qui me gêne pas plus que ça. Ça pourrait faire des situations grotesques à la Ranma 1,5. Moi, j'appuie sur le bouton. Je veux bien être riche, intelligent et tout, et dominer le monde. C'est mon rêve. 79% seulement ont pensé que c'était une bonne idée. Alors, tu peux avoir un ordinateur gratuitement avec tout le matériel dernière génération, mais... Des jeux comme World of Warcraft ou League of Legends disparaîtront et tu ne pourras jamais rejouer à ces jeux. Rien à foutre parce que je ne joue pas à ces jeux-là. Ça va, tout le monde aime bien un ordinateur récent, donc du coup, 75% on dit que oui, on s'en fout de LOL. On veut un ordinateur puissant, on veut jouer à Crysis, nous. Tu as tout ce que tu désires, mais le Nutella n'existe plus. Mais ça pose quand même un putain de paradoxe temporel. Parce que dans tout ce que je désire, le Nutella en fait partie. Je ne peux pas avoir tout ce que je désire si le Nutella n'en fait pas partie. Cette question ne peut pas exister. Je ne peux pas avoir cette proposition, puisque tout ce que je désire, ce n'est que du Nutella. Alors, 76% ont appuyé sur ce bouton. Est-ce que les gens réfléchissent au moins? Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et partager avec vos amis. Quels ont été vos dilemmes à vous? Est-ce que vous en avez aussi quelques-uns? Ce serait sympa, en fait, de voir quels dilemmes, en fait, vous pouvez me poser, en fait, en question dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, les amis, je vous fais des gros bisous tout partout. Je vous dis donc à dans une prochaine vidéo. C'est Ross, out.